Mesdames, messieurs, les autres, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo réaction à Young Royals, épisode 5 de la saison 1. On perd pas plus de temps que ça, on va directement se lancer. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant, bien évidemment, n'oublie pas les corvées habituelles de YouTube, abonnement, pouce bleu, commentaire. Et quant à moi, je perds pas plus de temps que ça, c'est parti pour ma réaction à ce nouvel épisode de Young Royals. Oh, ce mignon, il profite encore des moments où tout va bien avant que ça dégénère et que ça parte totalement en couille. Ma foi. Eh, c'est littéralement le dialogue le plus réalistique qu'on ait eu dans l'histoire de la télévision et du cinéma depuis très longtemps. Hein. Aline qui casse le mood. Eux, ils étaient partis pour le round 2, hein. Maline qui les a totalement... Oh là là. Il les a séchés, elle les a... mais refroidis direct, hein. Oh putain, Auguste. Eh oui, bien évidemment, retournons au personnage principal et important de cette série. Auguste, absolument détestable, et qui la remarque en boucle la sextape de son cousin. Je ne sais même pas pourquoi. Mec, pourquoi tu te retapes la sextape de ton cousin en boucle, en fait? C'est tellement bizarre et awkward. Girl. T'as envie de tester? Non, mais qui est quelque chose, vraiment, c'est tellement bizarre et chelou. She's new. She's new it. Don't try to hide her. Elle a directement remarqué le regard, c'est bon, elle a percuté, elle était en mode girl. I knew it. Death stuff. Ja, eller nej. Ja, säger vi. Il y a des moments comme ça dans Young Royals qui sont totalement impromptus, où littéralement ça sort de nulle part. Vraiment, c'est l'épisode, c'est le moment totalement où tu te dis, mais what the fuck? Littéralement. C'est... tiens, la peine de mort. Allez, on va parler de la peine de mort, c'est tellement sympa. Ok, pourquoi pas. C'est vrai, tiens, si un test d'urine, si le proviseur a vraiment un doute, il leur fait faire immédiatement un test d'urine, en fait, il négocie pas, il va pas les interroger, il va dire quoi, c'est bon, je vais croire ces gamins sur parole juste parce que ce sont des anges. Oh, le manque de discrétion. Qu'on me dise à quel moment Maline et l'autre ne se doutent pas de ce qui se passe. Hein? Putain, mais toucher les cheveux, y'a rien de plus gay. Tu touches mes cheveux, mais c'est bon, tu veux me mettre la main au doigt, quoi. Enfin, la bague au doigt, j'en ai perdu les mots. Comme si la mère n'avait pas du tout vu Willem arriver depuis l'allée. Hein. Moi, je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce que Maline et la maman vont se dire, en fait. C'est qu'on sait pas ce qu'elles se disent. Mais honnêtement, l'espace d'une seconde, elles ont discuté entre elles, les Dana. Forcément qu'elles ont bitché. Ah, le nom des poissons, ça c'est pour la saison 2, ça. Avec l'autre où il dit non, ça n'a pas d'importance. Sauf qu'en réalité, il n'a que d'amour et Dieu que pour le seul prince. N'empêche, il est légèrement coquin, hein, le mignon. Hein. Le petit prince, il est quand même... hein. Mais c'est Doom? Non, c'est Diablo. C'est Diablo! C'est Diablo! Oh, the shade, the shade! The shade, bien fait pour ta gueule, trou de balle! Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir se prendre un bon coup de savate dans la gueule, là. Oh! Oh! Oh, oh le langage visuel, je l'avais pas vu ça par contre. C'est une cousine, mesdames et messieurs. Ah putain, le meeting où il va dire ouais, c'est Simon qui nous a vendu et tout. Il va essayer de se dire, essayer de dire que c'est la faute de Simon, comme ça va changer
Oh, c'est chiant. Ah, la première dispute de couple. Elle arrive, c'est la première dispute. Ce pas la dernière, mais c'est la première. Allez, the library is open, darling. Because reading is what? Fundamental. Men du måste försöka se det här ur mitt perspektiv. Det handlar inte bara om mig, det drabbar hela min familj. Mais t'es de la foutue couronne, tu t'en branles, tu retomberas toujours sur tes pattes. Lui, c'est toute sa vie qui se joue dans cette école. Monsieur le prince a fait de la merde et maintenant il va se demander à son petit ami de prendre toute la charge. En fait, Auguste s'est dit c'est bon, je vais me débarrasser du problème Simon. Sauf que non. Oh, the shade. C'est clairement pas le truc le plus intelligent, hein, soyons francs. C'est clairement pas le truc le plus intelligent à faire et à dire. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir la gueule de Auguste se décomposer. Ça fait tellement plaisir. C'est quand même impressionnant. Ils n'ont qu'une seule salle de classe pour faire l'intégralité des salles de classe différentes. Juste, ils changent la couleur des murs à chaque fois. C'est impressionnant quand même, cette série. Hein. Économie jusqu'au bout. Hein. Ça n'a pas dû leur coûter très cher à produire. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Tu changes un peu le décor. Et ni vu ni connu, personne ne remarquera. Différents lightning. Tout passe. M. De génie. J'aime bien, c'est comment il lui dit je t'aime, mais de manière un peu indiscrète. Et que lui, il est en mode putain, fais chier, oui, bon. Et c'est parti pour les emmerdes. C'est tellement drôle, les emmerdes. Quel connard. Je suis désolé, mais c'est un véritable connard. Allez, regarde-le, voilà, tu l'as bien vu dans le blanc des yeux. Elle a été pris, c'est mort. Elle a été pris au piège. Elle t'a vu. Ah, bah oui, là tu te sens con, hein. J'aurais peut-être été plus intelligent de dire ça au préalable avant de l'humilier. Et c'est parti. Les couilles en mer. Et voilà. Voilà, voilà. Ça commence. C'est parti pour les emmerdes. Et oui, c'est bien lui. Bah lui qui voulait éviter les problèmes jusqu'au cou, là c'est fini, hein, les emmerdes. C'est bien, mais jusqu'au bout. Hein. Ah là 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 là. Cette série. Ah mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah là 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 là. La gueule d'Auguste qui se rend compte qu'il a fait la plus grosse connerie du siècle. Et qu'il est dans la merde. Ah là là, ça me fait rire. Ah là là. C'est très drôle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la suite pour ma prochaine réaction sur Young Royals. Prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.